salut tout le monde et bienvenue pour l'épisode 8 de Charmante Campagne. Ça commence très très mal, je n'ai même pas le temps de faire dire ouf que regardez ce que je vois là-bas. La mort est venue emporter, parce qu'elle est venue emporter une de mes poules, je crois, ouais. C'est triste, mais bon, alors j'aurais pas eu le temps de vendre mes poules vieilles. Enfin, je sais pas, je verrai bien. En tout cas, je vais suivre les conseils que vous m'avez donnés dans les commentaires. C'est-à-dire que, au lieu d'affronter la mort des animaux que j'aurai dans ma ferme, je vais les vendre juste avant, histoire d'éviter ça, parce que ça reste quand même horrible à voir et à subir, même si c'est virtuel. On a encore l'avertissement pour la poupoule noire, mais poupoule noire, t'inquiète, tu vas aller dans un autre monde, une autre ferme qui s'occupera très très bien de toi. Alors que Cécile se lève après cette première nuit en amoureux. Bon, comme ce pauvre petit Cécile ne sait pas faire la cuisine, c'est Diane qui vient faire le petit-déj. Lui, du coup, il aspire. C'est déjà pas mal parce qu'il y a besoin. Regardez-moi ça, elles sont belles mes petites poupoules. Tout en rondignons comme ça, couvées. Ouais, bah poule noire et poule blanche, ces deux-là, elles devraient... Oh non, ah, j'ai une dernière caresse. Non, je suis horrible, mais il va falloir qu'on les change. Parce que franchement, c'est pas possible. Une dernière caresse, c'est-à-dire que là, elle va mourir, en fait. Ah, on a un petit lapin qui vient nous filer un petit cadeau. C'est beau, que c'est tellement chou. Il va vraiment falloir que je mette les abris et oiseaux et tout ça. Friandises aux protéines de poisson. Yes. Ça, c'est bien, ça. Tu vas couvrir d'amour cette pauvre poule. Et puis, si on peut, on les change. Bah oui, ma belle. Oh, une dernière caresse. C'est qu'à de le dire, hein. Parce que bon, ça va être la fin pour elle. Ah, ok. Je pense que je peux effectivement pas changer. Parce que, regardez, poule noire. Je peux les changer. Je peux échanger contre friandises, contre... Non, on va échanger contre des simflouzes. Hein. Ouais. Parce que ma poule noire, elle est vieille. Sauf que la blanche, elle est beaucoup... Elle est trop vieille. Mais je peux pas l'échanger. Mais c'est horrible. Elle va mourir quand même, sans que je puisse faire quoi que ce soit. Allez, on va s'affairer un peu au jardin. Et on a nos premiers super fruits. Ça, c'est... Pardon ? 5 super fruits, 150 simflouzes. Ah ouais, pas mal, hein, quand même. Alors que Canel, le renard relou, est revenu, hein, nous emmerder. Et un autre qui s'accourt, qui accourt, c'est quel, celui-là? C'est quoi, Alpine Touffu? C'est quoi ces noms, sérieusement? Parce que là, ça... Enfin, Pine Touffu, quoi. Non, les Sims, non. Oh! On a encore récolté un œuf qui peut éclore. Le sousail. Ouais, un œuf vert. Oh, un œuf vert, mais c'est trop bien. Et par contre, bah, on n'a pas de place pour le mettre. Comment on fait? Bah, on va racheter un nouveau poulailler. Dans un sens, c'est ce qu'il faut. Hein. Regardez-moi ces super fruits. 30 simflouzes, le super fruit. Oh, Ravin, c'est pas possible, ça. Oh là là. Bah, les fruits de bonsaï me rapportent un peu plus quand même. Mais c'est une bonne surprise. Tu as préparé d'autres conserves. Par exemple, pouh, bah punaise, on en a. Conserve d'aubergine. Mais maintenant, c'est un œuf bleu qui m'a ramassé. Mais c'est pas possible, ça. Mais elles sont on fire, mes poupoules. C'est ma vieille poule qui continue de pondre, mais elle me pond des trucs spéciaux. Hein. Elle va me faire toutes les couleurs. Alors, comme demandé dans notre commission que l'on fait auprès de Raoul, nous devons faire une petite création au point de croix. Donc, bah, c'est parti pour Diane. Elle s'y met enfin. Il se fait déjà l'heure du dîner, où ils vont pouvoir manger en tête à tête, et puis discuter un peu de leur avenir, et puis de la rénovation de la maison. Parce que pour l'instant, il n'y a que la chambre à l'étage qui est faite, hein. On avait vu ça la semaine dernière. Même si elle est un peu petite, je pense que je vais agrandir de toute façon l'étage, rajouter un carreau de plus, histoire que la chambre soit un peu plus tranquille, et un peu plus jouable aussi, puisque là, c'est un peu n'importe quoi. Oh, purée! Oh, purée! Bingo, je ne l'ai pas vu. Il s'est battu avec notre coq. Notre coq lui a cassé la gueule. Et ça, c'est bien. Bon, eh ben, j'ai voulu leur faire crac-crac. Finalement, ils n'avaient pas envie. Ils n'étaient pas en forme. Allez, un nouveau matin pour ce nouveau petit couple. Il y a encore le renard qui est là. On va en Alpine, touffu. N'importe quoi. Et puis, tiens, tu vas aller laver la vache, toi, ici. Il faut que tu t'entendes bien avec la petite vachounette. Et on a encore un œuf spécial. Un œuf bleu. Qu'est-ce qu'ils ont, mes poules, à faire des œufs bleus? Oula, mais il commence, en fait, à neiger, si j'ai bien compris. Ça, c'est ma poule jeune adulte. Alors, il y a un truc que j'ai pas compris. T'avais un autre poussin?
Elle est où ma vieille poule? Jeune adulte et poussin. Je comprends rien. Elle est où ma vieille poule? Où est la poulette? J'ai rien bité. Mais je pense qu'on a un œuf qui est prêt à éclore. Elle tirera le faire éclore juste après. Trop mignon! Le petit poussin! Trop mignon! Qu'est-ce que c'est comme poussin? On en a un autre encore? Oui! On en a un autre! Ah bah oui, bah c'est sûr, vas-y, oui. Faut bien que tu te mêles à la vie de fermière de ta petite femme. Ce sera ton petit poussin à toi. Oh! Trop mignon! Ça nous en fait deux d'un coup! C'est trop cool! Bon, reste à voir ce que c'est maintenant. Alors, les deux petits poussins sont sortis! Nous avons un mâle et une femelle. Super. Effectivement, je suis vos conseils. Les mâles, on va les échanger tout de suite. Action, échanger contre des simflouzes à 150 simflouzes. Et on va regarder la petite poulette, puisque c'est elle qui nous fera des beaux petits œufs. Nous avons encore un troisième œuf qui va éclore. Mais dis donc, mais oui, c'est on fire, les petits poussins. C'est la saison des... Après la saison des amours et de la ponte, c'est la saison des éclosions. Oh oui. Franchement, à la suite, hein, les trois. Eh, c'est vrai qu'on en avait un dans le frigo. Attendez, parce que je sais pas si en le mettant dans le frigo, ça tue pas la possibilité qu'il éclos. Mais comme on avait plus de place dans le poulailler, moi je l'ai mis dans le frigo. Il peut éclore, ben oui, il peut encore éclore. Donc, ben, go, alors je vais mettre mon œuf là. On a 17 œufs. Il serait peut-être temps d'aller au village vendre nos trucs. Hein. Alors, petit poussin, qu'est-ce que c'est? C'est un petit mec également. Oh, bon, c'est pas grave. Allez, je vais prendre ce qui se traîne dans le frigo pour aller au village. Est-ce que t'avais fini ton point de croix, ma cocotte? J'aimerais bien quand même que tu puisses le finir avant qu'on y aille, si ça te dit. Ça y est, elle a fini sa réalisation au point de croix. Tu vas mettre dans ton inventaire et on va le donner à Madame la mère de Raoul. Nous voilà au village, en plus c'est l'heure des Sims radins et comme nous sommes une grosse radinesse, on va aller voir notre cocotte, notre meilleure amie, hein, avoir une discussion à cœur ouvert avec elle. Et puis également discuter rapidement, voir si elle va bien avant de marchander, parce que c'est notre technique. Oui, c'est bon, le marchandage a marché. Nous sommes très heureux de vendre nos produits à 10% de plus. Surtout que là, on en a pas mal. C'est parti pour 43 bouteilles de lait. Rien que les bouteilles de lait nous apportent plus de 1000 simflouzes, donc c'est cool. Mes œufs bleus, je les vends. Mon œuf vert, je le vends. Et ça nous fait un total de 2913 simflouzes. On n'a jamais été aussi riche, regardez, 7258. Agnès est là. Notre meilleure amie, bien sûr. La relation a vachement baissé la dernière fois parce que madame était de mauvaise humeur. J'espère que là, ça va mieux aller. Ouais, franchement, elle nous kiffe, Agnès. Ça y est, j'apprécie vraiment que tu me consacres du temps. Je voudrais juste te le dire. Mais pas de soucis, Agnès. Mais tu viens, tu passes à la maison quand tu veux. Eh, salut, Jules. Comment ça va? Tiens, salut, Cécile. Je te présente pas Kim. Ah, tiens, Raoul. Raoul, est-ce qu'on a besoin de faire quelque chose avec toi pour ta commission? Livrer une tarte au chocolat? Ah merde. Est-ce qu'on peut le faire rapidos comme ça dans la cuisine où il y a déjà un conglomérat? Oui, on peut faire la tarte au chocolat. Bah tranquille. Diane, elle s'est installée sur le comptoir derrière le bar pour pouvoir faire sa tarte. S'il y avait trop de monde dans la cuisine. Ça y est, la tarte est terminée. La tarte est terminée. Alors, avant que qui que ce soit tape dedans, tu vas la mettre dans ton inventaire. Et tu vas donner la tarte au chocolat à ce pauvre petit Raoul parce que, ben, pauvre bichette, il en a jamais mangé. Eh, tiens, poteau. Bah oui, c'est toi. Tu me l'as demandé, espèce d'idiot. Bien sûr que c'est pour toi. J'espère que ça te fait au moins plaisir. Yes, c'est délicieux. Est-ce que c'est ce que je manque en n'allant jamais au-delà de notre village pour apprendre de nouvelles choses? Nous faisons même pousser tout ce dont nous avons besoin ici à Enfornum Begley. Si les autres ne le font pas, je vais prendre l'initiative d'apprendre ce genre de recettes. Mais oui, c'est tellement facile. Ah non, on doit encore donner une chocobée au livreur de course. Le livreur de course a dit qu'il voulait préparer sa propre tarte au chocolat, alors trouver une autre chocobée, donnez-la lui. Mais on l'a, on a ce qu'il faut. Nous avons ce qu'il faut dans notre petit inventaire. Oui, donner une chocobée. Ça va, il m'en reste 3. C'est pas mirobolant, mais on en a. Tiens, cadeau. Ben oui, mais avec plaisir, mec. Attends, tu rigoles ou quoi? Et c'est bon, nous avons terminé cette commission. En tout cas, je crois. Sauf si c'est une nouvelle surprise.
Ah non, il fallait que je livre la... Ben, je sais pas pourquoi, mais il me l'a pas proposé une fois que je l'avais terminé. Il faut que je donne mon point de croix à Madame la Mère. Mais où est-elle? Madame la Mère est arrivée! Elle est au bar, elle est là, nous l'avons vue. Ouais, c'est cool, on va voir se terminer cette petite opportunité. Franchement, sympathique. C'est vraiment cool les petites missions comme ça, avec les gens du village. C'est vraiment très cool. Livrer la création point de croix. J'avais fait les crumpets. J'espère que ça lui plaira. Bonjour, Madame la Mère. Voici un petit cadeau de la part de votre fils. J'espère que ça vous plaît. C'est un petit point de croix avec des crumpets. Parce que tout le monde aime les crumpets. Le livreur de course vous a demandé de m'offrir ceci. Quel joli geste. Je l'ai pris sous mon aile depuis qu'il est tout petit. Mais ces derniers temps, je sens chez lui une réticence quand j'essaie de lui parler. Cela dit, vous nous avez aidé à apaiser les tensions, merci. Pourriez-vous lui dire que je ne l'empêcherai jamais de vivre ses rêves et que je vais finir par lui donner une gifle s'il continue à avoir peur de me parler franchement. Elle l'a adopté. Je pensais que c'était sa mère biologique, mais je sais pas. Bon, les amoureux, pendant que vous faites des mamours, vu que Raoul dort, eh ben, nous allons tout de suite rentrer à la maison. Allez, oui, oui, j'ai compris, c'est sale à l'étage. Elle a envie de faire pipi à la fin, il n'y a plus rien qui va, mais j'ai quand même envie qu'il fasse crac-crac. C'est pas grave, elle se relèvera pour tout le reste. Mais là, voilà, petit crac-crac tranquille. Cécile, lui, bon, ça va, lui pourra tranquillement s'endormir. Reposer et requinquer. Mais wesh, j'ai encore la mort qui est là. Pourquoi vous êtes là, madame? Alors, quand même, mais je sais pas, mais ma poule, elle était plus vieille. Ma poule, elle est partie. Et ma vache, elle allait très bien. Viens pas me choper mes animaux dont j'ai besoin, saleté de mort, va. Méchante mort, méchante. La faucheuse, elle est en train de squatter devant les enclos, là. Ça me plaît pas du tout, hein. Elle est restée là toute la nuit, hein. Et Cécile, de bon matin, s'occupe de vachettes. Et la mort, bah, elle est toujours là. Je sais pas ce qu'elle attend, mais elle peut attendre longtemps. Moi, je refuse que mes bestioles meurent. Oh, d'accord. C'est un lapin qui est en train de mourir, là. Où ça? Quel lapin? Mais oui, mais moi, je... Non, pas les animaux. Et j'ai récolté un autre œuf qui peut éclore. Mais c'est pas possible, c'est la baraka. Et 3 œufs qui ne peuvent pas éclore, quoi. Cécile est plutôt efficace. Il nous aide bien dans la ferme. En même temps, il a pas trop le choix, hein. Non! Mais non! Elle était poussin! Mais ils sont tous en train de mourir, c'est l'hécatombe! Ah non, je peux pas voir ça. Je peux pas voir ça. T'as raison, occupe-toi de tes plantes, là. Non, non, mais ça suffit. Tiens, on va aller voir, on va aller loin, on va aller voir les oiseaux. Comment vont les oiseaux? Où sont les oiseaux? Ils sont là, les oiseaux. Hmm, ça faisait longtemps. Tiens, viens à côté des ragots. Admirer la volée d'oiseaux. Et puis peut-être que, voilà, on va chanter pour eux. Qui sont loin de chez eux. Et ils ont un cadeau pour nous. Donc c'est cool. Alors. Oh oui. Elle chante avec l'oiseau. Il chante avec elle. C'est beaucoup trop mignon. C'est vachement plus mignon que les poules et les lapins qui meurent, quoi. Tiens, un cadeau. Une friandise chocolatée. Merci beaucoup. Vous êtes adorable. Petite chose. J'ai retrouvé une poule blanche dans mon inventaire. Écoutez, je ne sais pas ce qu'elle y foutait. Inventaire de maison. Bah, écoutez, je l'installe sur le terrain, parce que si elle était là, c'est que c'était la mienne. Voilà, regardez, elle est toute contente. C'est peut-être celle qui vient de mourir, qui vient de revenir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne peux pas vous dire. Mais par contre, dans la maison, il y a eu des changements. La maison était légèrement agrandie pour l'étage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, la chambre peut avoir un aspect déjà un peu plus sympathique. Oh merde, c'est la fin de Finch Week. C'est le concours de vaches. On va devoir y aller, les enfants. Du coup, la chambre est maintenant comme ça, avec plus de place et ils pourront faire crac-crac normalement dans le lit. Et en bas, bah oui, ouais, il y a eu un petit coup de neuf là. Le sol a été refait, c'est toujours un peu poussiéreux, mais c'est mieux. On a débarrassé pas mal de choses. On a gardé le canapé parce que bah, il est confortable, mais en attendant de trouver mieux. J'avais ça aussi dans l'inventaire, donc je me suis dit pourquoi pas le mettre. Et ici, on a débarrassé légèrement également. Et ouais, ça bouge. Mouh, trop mignon. Elle s'entend de ouf bien avec sa petite vache. Du coup, bah, on va la mettre dans notre inventaire. Et on va aller à la foire pour essayer de gagner. Et nous voici à la foire de Finch Week. On va proposer une participation.
puisque c'est notre petite vachette. Et ici, c'était quoi? Proposez-moi. Il faut du lait. Marde! On n'a pas pris de lait. En tout cas, on a notre vache tachetée. Voilà! Ah bah tu peux la traire. Bah vas-y, traie-la. Comme ça, on pourra proposer un nono lait directement également. Oui! Il y a déjà une bouteille de lait qui est apparue. Un lait, non, un lait puissant aux plantes. Et on a eu un lait au chocolat. Attends, on va proposer une participation également. Pour le lait au chocolat. De toute confiance que nous sommes. Oh, madame la mère, bonjour. Comment allez-vous? Parce qu'on doit finir notre petite chose, il me semble. Ah non, c'était avec Raoul qu'il fallait voir. Dire ce que la mère ressent au livreur de course. C'est à Raoul qu'il faut dire. Oh, une concurrente. Tchè, t'es moche. Ah, il est là, Raoul. On va pouvoir lui dire ce que la mère ressent. Comme ça, on va pouvoir avancer sur notre commission et peut-être la finir. Alors, voilà le topo, en fait. Tu vois, elle te kiffe et tout, et elle ne t'empêchera jamais de mériter ta vie. Hein. Voilà. Mais c'est à toi la prochaine fois de balader cette semaine, d'accord? Parce que moi, c'est sympa, mais j'ai pas que ça à foutre. Savoir ce que j'ai le soutien de la mère pour découvrir ce qu'il y a au-delà d'Enford and Begley me rend mes rêves beaucoup moins lointains. Je vais garder votre photo, et peut-être qu'un jour, je verrai cela de mes propres yeux. Mais en attendant, eh bien, je crois que je vais manger une autre tarte au chocolat. T'es sérieux? Ah si, c'est bon, on a fini notre commission. Et bah ça y est, on a fait les trois commissions qu'on a à faire pour ce challenge découverte. Ah bah tiens, il y a Jules qui est là avec... je crois qu'on l'a déjà vu, elle, Sarah, c'est ça. Sarah. Bah écoutez, tant qu'à faire, on discute. Hein. Bah après, Cécile, si tu veux, tu peux quand même faire venir, faire la connaissance de Jules. Hein. C'était ton... Comment dire? Ton concurrent, mais vu que t'as gagné largement. C'est genre le mec qui envoie un bisou, genre, hé, hey, c'est ma nana, hein. T'y touche pas. Hein. Comme ça, tout le monde est au courant, quoi. Au niveau du concours, ben, on est toujours que deux à concourir, donc je pense que quand même, il y a deux bouteilles et deux vaches. Il y a moyen qu'on gagne l'un des deux, quand même, et ce serait super cool que ce soit avec notre vache. Ça y est, ça disparaît. Attendez, attendez, attendez. Un fromage. Alors, récompense de la foire de Finchwick. Un fromage, je valide. Un ruban de participation. Pour concours de lait. Récompense de la foire de Schwinchwick, une friandise enjôleuse, une friandise chocolatée, un ruban de première place au concours de vaches. On a gagné le concours de vaches. On est les meilleurs en concours de vaches. Et le coq. Oh, c'est cool ça. Ça fait qu'on a gagné les deux concours que l'on demande pour ce petit challenge. Pensez à vous préparer pour la foire aux fruits et légumes géants de Finchwick. Ah ouais, faudra y penser. En effet, nous voilà rentrés à la maison, on va remettre notre petite vache et attribuer un animal. Voilà, c'est bon, notre vache est revenue. Comment vont les autres animaux? On a quand même gagné, moi j'ai envie de dire, je suis tellement fière, franchement. T'as encore ramassé un œuf spécial? Ah, on a reçu des cartes postales? Mais pourquoi? Mais pourquoi? On a reçu le fameux fromage que je vais mettre du coup tout de suite au frigo pour éviter qu'il pourrisse. Notre belle ruban, première place. Ah, on a un coupon pour une livraison gratuite de course. Donnons droit à une livraison gratuite de course. Veuillez donner ce coupon au livreur après avoir accepté la livraison pour recevoir un remboursement des frais de livraison non transférables expirant dans 2 jours. Ça veut dire que là, on va se faire des courses de ouf malade. Moi, je vous le dis, on va tout acheter en versus 50 millions. On va défoncer le magasin et les stocks pour qu'on puisse les garder avec nous. Ad vitam aeternam. Pour au moins les 40 générations à venir, quoi. Et on a notre première pièce d'amélioration d'abri pour bétail. Ça, c'est franchement cool. Sachant qu'il nous en faut 3 pour mettre sur notre poulailler. Ça veut dire qu'il faut que je fasse encore 2 commissions. On verra si je les fais. On verra. Oui, Diane. Je sais que c'est sale, mais c'est pas grave. Bon, on achètera sûrement un aspirateur digne de ce nom. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère tout simplement que vous serez là également la semaine prochaine. N'hésitez pas à me liker, commenter, partager cette vidéo ainsi que la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Charmante Campagne. Bonne chose. Salut.